qui suit. Marcel et Toumba relèvent du salon. Vous confirmez cette déclaration et non de vous? Bien sûr, il ne relève pas de moi, il relève du salon. Très bien. Vous avez également déclaré que eux, ils étaient sous le commandement du président. Vous le confirmez? Bien sûr, je confirme. Très bien. Vous avez déclaré qu'il y avait une section des blindés, une section de l'artillerie et une section des bâtards, y compris l'équipe qui était avec vous-même, c'est ceux-là qui étaient sous votre autorité. Vous confirmez cela? Je confirme. Très bien. Vous avez également reconnu et déclaré à cette barre que le président, et quand il avait une grande mission à l'extérieur, à l'intérieur d'abord, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux que vous avez qualifiés de difficiles, là, la mission vous étiez confié et vous avez également dit que vous avez pour mission de veiller sur l'ensemble de la présidence. Vous reconnaissez avoir dit ça ici, non? La mission? J'ai dit bien, je vais reprendre ce que vous avez dit ici. Vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non? Je peux déterminer, c'est pas... Non, s'il vous plaît, non. Moi je suis... Qu'est-ce que vous avez dit cela? Vous avez dit ça ici, non, la oui manière non que j'ai expliqué, c'est pas la manière qu'il a posé la question. Moi je suis en train de vous faire état de ce que vous avez dit ici et ça se trouve sur YouTube. Voilà, je réitère, vous avez déclaré ceci. Quand le président, et c'était en réponse à des questions que vous posiez, monsieur le procureur Al-Gassimo, vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non? J'accomplissais les grandes missions du président, mais je ne peux pas dire que je peux veiller sur toute la présidence. Monsieur le président, qui m'en soit donné acte, il est en train de contredire ce qu'il a dit, et il a dit ça ici, le primitif en fait foi et la vidéo en fait foi. Le tribunal appréciera ça, maître. Le tribunal appréciera cela. Très bien, monsieur le président. Alors, j'ai continué avec vous, et en raison de ces différentes réponses, je vais vous poser quelques questions par rapport à vos attributions et par rapport à la structure de la présidence. Vous avez parlé des sections, section blindée, section artillerie, section bata. Chacune de ces sections était composée de combien de personnes? Chacune de ces sections était composée de 30-30. 30-30 personnes. Plus l'équipe qui était à votre service, elle était composée de combien de personnes? 30 aussi. De 30 aussi. Alors, en tout, ça fait combien? 120. 120. Merci. Et en quoi consistait réellement les missions que le président vous confiait? C'était quoi ces missions-là? Il vous confiait quelles missions? C'est comme la mission auquel il m'avait confié, c'est des grandes missions. Deux fois, il me confie, comme c'était la mission du 28 septembre, pour aller traquer les bandits à main armée qui étaient déjà stationnés à Manéa. Ce sont ces missions-là qu'il me confiait. Et vous dites grande mission.
Donc, le président vous confiait la mission d'aller traquer des bandits. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien sûr. Et est-ce que le président avait-il le droit de vous demander d'aller traquer les bandits alors qu'il existait un ministère créé à cet effet, dont celui de M. Moussa Tchegoro Camara, qui avait pour mission de lutter contre le grand banditisme? C'est possible, ça? Ce que j'ai dit, est-ce que cela était possible? Parce que le président va comparaître ici, hein? Bien sûr. Alors, votre... Si il vous confie une telle mission, alors qu'un département est créé à cet effet, n'est-ce pas le président lui-même provoquait un conflit de compétences entre vous et le département de M. Moussa Tchegoro, n'est-ce pas? Là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Vous dites? Je dis là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Pivi, commandant acte, Monsieur le Président. Je continue. Votre département, quelle était la feuille de route qui vous avait été donnée par le président de la République? Quelle était votre feuille de route? Reprenez la question. Quelle était votre feuille de route, les attributions de votre département? Quelles étaient ces attributions? Expliquez-nous concrètement. Oui, mais comme je l'ai bien dit, j'ai dit que ça c'était à la veille du départ pour l'abbé qu'il m'avait instruit cela. Il dit que bon... Non, pas cela. Il veut connaître... Ça, ce n'est pas votre mission, hein? S'il vous plaît, voilà. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il veut connaître les attributions, vos pouvoirs, vos prérogatives en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est ça la question, maître. Oui, c'est ça, monsieur le président. Allez-y. Bon, mes attributions, supposons... Je veillais sur le président. Veillez sur le président? Oui. Quel est d'abord veiller sur le président? Et si vous veillez sur le président, quelle est la différence entre vos attributions et celles de l'aide du camp qui aussi avait pour mission de protéger la personne physique du président? Faites-moi la distinction, je ne comprends pas ça. Ah, mais là, ceci-là est dépendant du régiment. Écoutez, vous dites que votre mission consistait à veiller sur la personne du président. Le commandant Aboubakar Diakité Ditumba est passé ici. On lui a posé la question de savoir en quoi consistaient ses attributions. Il a dit, il a expliqué au tribunal que c'était d'assurer la protection physique du président de la République. Vous aussi, vous dites la même chose. Quelle était alors la différence entre vous, vos attributions et celle de M. Aboubakar Diakité Ditumba, puisqu'il ne relevait pas de vous, et puisque vous avez un département en charge? Moi, mon département veillait sur la sur les missions du président et la vie du président. Nous, on veillait sur ça. Mission du président, quelle mission? C'est ce qu'on veut savoir. Ne passez pas tout votre temps à dire... Mais je vous ai dit qu'ici, la mission auquel j'étais parti à Mania, c'est l'un de ces missions. Ça, ça n'est pas de votre ressort. Maître, laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Ok, d'accord. Et la mission auquel on a effectué à l'abbé avant leur arrivée, c'est l'un des missions. Et revenons maintenant à votre département, hein, ministériel. Ce département... Comment son cabinet était-il composé? Quels sont les membres du cabinet? Qui en était le secrétaire général, le chef de cabinet, les différents directeurs? Pouvez-vous nous donner les noms de ces membres qui composaient ce département? Non, ce département... J'avais un chef de cabinet. Il s'appelle un certain Pépé. Pépé quoi? Pépé Collier. Pépé Collier.
Voilà. Excusez-moi, oui. Maître, avant de continuer. Je vois les avocats de la défense, s'il vous plaît. Votre place, c'est par là. Hein. Tout ce qui est comme siège ici, c'est pour vous. Il y a suffisamment de place. S'il n'y a pas de place, qu'on libère des places. Mais c'est votre place, c'est ici. Ça, vous le savez. Voilà. Tous ces sièges-là sont réservés à vous, pratiquement. Oui. C'était qui le... Continuez. Oui. C'était qui le secrétaire général? J'ai dit Pepe Collier. Non, vous avez dit chef de cabinet. Parlons maintenant du secrétaire général. Qui était-il? Comment s'appelait? Il s'appelle, disons. Bon, là, je ne retiens pas tellement son nom. Quelles étaient les directions nationales qui composaient ce cabinet? Les directions nationales. Bon, nous, on n'avait pas tellement de services là-bas à notre niveau. Donc, il n'y avait pas de direction nationale. On n'avait pas tellement de services à notre niveau. Et sur le plan national, y avait-il des directions préfectorales? Non. Non. Il n'y en avait pas non plus. Et quels étaient les dossiers brûlants que vous avez eu à gérer en votre temps? Les dossiers brûlants concernant des questions de sécurité présidentielle. Deux dossiers au moins. Oui, mais il y avait certains dossiers qui, quand de fois les éléments de la frontière nous envoient des flashs, on nous envoie cela pour justifier et on dépêche des missions jusqu'à Pamala, c'est-à-dire la frontière, pour regarder. Voilà certaines de nos missions. Est-ce que des questions intéressant l'intégrité territoriale, telles que des questions intéressant Pamalap, relèvent de votre ressort, vous qui devez vous occuper de la question présidentielle, de la sécurité présidentielle du ministre? Bien sûr. Vous n'êtes pas en train de faire un mélange des genres? Non, on ne mélange pas. Si, vous mélangez. J'ai continué. Alors, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous avez eu à dire ici que vous ne participiez pas à la planification des sorties du président de la République. Parfois, le président sortait sans que vous n'en soyez informé. Vous confirmez cela? Si, je confirme. Alors, avec toutes ces réponses, qu'est-ce que vous avez comme occupation en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, puisque ce n'était pas vous qui assurez concrètement la sécurité du président? Quand son cortège faisait des sorties, vous n'étiez pas là? Vous ne planifiez pas? Mais qu'est-ce que vous faisiez réellement là-bas en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Oui? Alors, moi, je jouais mes rôles, mais ce n'est pas aussi tous les rôles que je jouais. Vous ne pouvez pas me dire ça. Dites ça au peuple de Guinée au moins. Pas ma personne. Comme je l'ai déjà dit. Monsieur Claude Pivi, mon colonel, et avez-vous une fois siégé au Conseil des ministres? Au départ du pouvoir, on siégeait au Conseil des ministres. Vous avez siégé, c'était autour de quel dossier, par exemple? Ah, là, il y avait beaucoup de dossiers, je ne peux pas retenir les dossiers. Est-ce que vous avez eu à présenter un seul dossier en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle devant le Conseil national de transition, le CNT? Vous avez eu à défendre un budget là-bas, comme les autres ministres le faisaient? Si, j'ai défendu certains dossiers compte tenu des mouvements frontaliers, ainsi de suite, comment les éléments devaient se comporter au niveau de la frontière. J'ai dit bien un budget. Vous connaissez le CNT? Qui bien était sûr. L'organe législatif qui servait des parlements pendant la transition sous le CNDD. Avez-vous présenté
votre budget sectoriel là-bas, le budget concernant le département chargé de la sécurité présidentielle. Vous avez présenté un budget comme les autres ministres le faisaient. Vous l'avez là-bas, fait. Vous allez m'excuser là-bas, on va revenir au 28 septembre parce que là-bas, je n'ai pas. Est-ce que vous avez présenté un budget c'est aussi là-bas simple que ça. Moi, je n'ai jamais présenté un budget. Très bien. Alors, avec toutes ces réponses, êtes-vous d'accord avec moi que le ministère chargé de la sécurité présidentielle n'était qu'une coquille vide, juste pour vous contenter? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il n'y avait rien à faire là-bas? C'est non. Ça, non? Non. Et vous voyez, comme il n'y avait rien à faire là-bas, vous vous êtes adjugé les prérogatives des officiers de police judiciaire. C'est ça, non? Non. Est-ce que vous savez que vous, en tant que ministre de la République, qu'il ne vous revient pas de procéder à l'arrestation des auteurs des infractions à la loi pénale? Vous le savez? Que c'est pas, ça ne relève pas de vos attributions? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Ah. On continue. Savez-vous que vous, quand vous procédez à l'arrestation d'un citoyen en tant que militaire, alors que nous avons la police judiciaire, et en votre temps, le rôle, les pouvoirs de la police judiciaire étaient définis à l'article 11 du Code de procédure pénale, qui prévoyait clairement que c'est à la police judiciaire de constater les infractions à la loi pénale, de rechercher les auteurs, d'en rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux juridictions compétentes. Si vous, vous le faites, est-ce que vous saviez que vous vous rendez coupable d'une infraction à la loi pénale? Vous le savez? Et dont la peine allait de 5 à 10 ans de détention criminelle. Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Bon, je vais vous aider, hein, je vais vous donner lecture des dispositions de l'article 128. L'article 128 de l'ancien code pénal qui était applicable en ce moment disposait ainsi qu'il suit. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du gouvernement, vous étiez membre du gouvernement, donc ce texte s'applique à vous, aura donné ou fait quelques actes arbitraires ou porté atteinte soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques qu'un citoyen ou de plusieurs citoyens, soit à la loi fondamentale, il sera condamné à la peine de 5 à 10 ans de détention criminelle. Mon colonel, vous avez eu à dire ici, en répondant à des questions qui vous ont été posées, que lorsque vous, vous arrêtiez un citoyen, que vous lui donnez des coups et vous le libérez. Savez-vous que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l'article 128 du Code pénal? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Saviez-vous, bon, qu'en s'il vous permettant... Plaît, s'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de réponse. Je vous ai dit vos droits. Soit vous répondez par oui, par non, D'accord. Vous vous dites que vous ne répondez pas. D'accord. Voilà. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Mais répondez aux questions avec courtoisie. D'accord. Parce que de l'autre côté, on vous pose des questions depuis qu'on a commencé. C'est avec courtoisie qu'on s'adresse à vous. Donc, répondez aux questions de la même façon. Merci, monsieur. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Savez-vous qu'en acceptant ce que vous appelez mission, et c'est une mission imaginaire, nous allons le démontrer tout à l'heure, en acceptant, alors que vous n'en avez pas la qualité, de vous rendre à Manéa, comme vous le dites, pour arrêter des citoyens, que vous vous êtes rendu coupable de cette infraction, vous le saviez? Non. Donc, je vous l'apprends, vous êtes rendu coupable de cette infraction, si vous ne le saviez pas. Est-ce que vous saviez... Vous l'avez dit ici, que lorsque vous arrêtez un citoyen,
que vous le conduisez devant un service de police judiciaire. Saviez-vous qu'en le faisant, vous vous rendez coupable de cette infraction? Le saviez-vous? Non. Je vous l'apprends, vous êtes rendu coupable de cette infraction. Je continue. Et le même article poursuit en disposant que si néanmoins il justifie qu'il a reçu par ordre de ses supérieurs hiérarchiques pour des objets du ressort de ceux-ci sur lesquels il aurait été dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera dans ces cas appliquée seulement aux supérieurs hiérarchiques qui auront donné l'ordre. Vous avez eu à dire ici que c'est sur ordre du président Tadis que vous accomplissiez ces missions attentatoires à la liberté individuelle des citoyens. Alors, ça veut dire que si vous parvenez à en administrer la preuve, vous, votre responsabilité va être dégagée et celle du président Tadis sera engagée. Alors, avez-vous la preuve de l'ordre que le président Tadis vous aurait donné? Avez-vous la preuve? Si, j'ai certaines preuves. Oui, où est la preuve? Où est l'ordre de mission qu'il vous a donné? Où est l'ordre de mission? Où est l'ordre de mission? Il n'y a pas eu un ordre de mission. Alors, quelle est la preuve? Parce que moi, j'aurais du mal à vous croire lorsque vous parlez comme ça. Où est la preuve? Répondez. Il n'y a pas eu un ordre de mission pour ça. Voilà, donc il n'y a pas de preuve. Parce que ici, vous devez être à même d'administrer la preuve de vos déclarations. Il ne suffit pas d'affirmer. D'autres questions, maître. Merci, monsieur le président. Saviez-vous qu'en vous improvisant officier de police judiciaire pour arrêter des citoyens, que vous avez provoqué un conflit de compétences avec M. Moussa Tchegoro Camara, ministre chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, dans les attributions duquel ce rôle apparaissait clairement? Vous le savez? Vous savez cela? Non, mais moi j'avais toujours fait ça, depuis pas seulement en autre temps. Ok, savez, mais sachez maintenant que en le faisant, alors vous avez eu à provoquer des conflits de compétences. Est-ce qu'il arrivait au président de régler de tels conflits entre vous et M. Moussa Tchegoro? Reprenez la question. Est-ce qu'il arrivait que le président règle de tels conflits de compétences que vous créez en permanence? Non. Non. Donc, il vous laissait faire? Oui. Alors, dans ces conditions, s'il vous laissait faire, voulez-vous nous dire que c'était lui même qui acceptait l'anarchie au plus haut sommet de l'État? C'est ce que vous voulez nous dire? Non. C'est ce que ça laisse apparaître clairement. Alors, et parlons à présent de vos différents procès-verbaux. Mon colonel, à la question de savoir que savez-vous des événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom, pourquoi avez-vous donné des réponses différentes aux gendarmes agissant sur commission rogatoire et aux magistrats instructeurs? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes par rapport à une même question? Pourquoi? Pourquoi? Ce que je connais concernant le 28 septembre, je vais bien expliquer ce qui me concernait ma part de vérité. Il veut savoir pourquoi vous avez donné des réponses différentes aux gendarmes et aux juges d'instruction. Moi, je n'ai pas donné des réponses différentes. Bon, je vais vous aider. Et pourquoi, dans toutes vos déclarations faites dans cette affaire devant la gendarmerie, du début jusqu'à la fin, vous n'avez jamais parlé d'une quelconque mission que le président Tadis vous aurait confiée tendant à traquer des malfrats qui auraient détourné des véhicules? Pourquoi vous n'en avez jamais parlé? J'ai votre procès verbal dressé devant la gendarmerie. Nulle part, vous n'avez parlé de cette mission. Pourquoi? Pourquoi?
Vous n'en avez pas parlé là-bas. J'ai bien dit ici que ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qu'ils ont écrit. J'ai dit, il y a certains paragraphes auxquels ils n'ont pas placé là-bas. J'ai bien dit ça devant le barreau. Mon cher, vous savez, quand vous avez réagi de cette façon, monsieur le procureur avait pris soin de vous montrer ce procès verbal. Vous avez reconnu votre signature qui y est apposée et vous l'avez même paraphée. Oui ou non, cela a été fait ici? Oui ou non? Bien sûr, j'avais bien dit ici. Lorsqu'un intellectuel, lorsqu'un haut cadre et de surcroît, un ministre de la République signe un document, ce document l'engage, oui ou non? Mon colonel. Tout ce que j'ai dit là-dedans, je dis bien, c'est pas tout ce que je n'ai pas dit. Répondez à la question. Est-ce que quand un haut cadre, un ministre de la République, signe un document, ce document l'engage, oui ou non? C'est ça la question. Non. Ah bon? Alors, c'est grave. Et je continue. Alors, n'est-ce pas? Et le fait par vous d'écarter ça maintenant pour adopter une nouvelle stratégie de défense devant les magistrats instructeurs et qui a consisté à inventer une mission dont vous n'avez jamais parlé devant la gendarmerie. N'est-ce pas une façon pour vous de fuir votre responsabilité dans cette affaire? Oui? Répondez. Non. Et pourquoi alors vous niez vos déclarations contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie? Pourquoi vous niez? Pourquoi? Je ne nie pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit ce que j'ai dit. C'est pas certaines parties qui ne sont pas écrites. Bon sang. Mon colonel, savez-vous que le 27, à la veille du 28 septembre, une consigne a été donnée, une consigne générale à tous les militaires, comme quoi chacun devrait être consigné le 28. Vous le savez? Je le sais. Voilà. Donc, vous savez qu'une consigne générale a été donnée. Et en sortant, est-ce que vous n'avez pas violé cette consigne générale qui s'appliquait à tous les militaires confondus? Je n'ai pas violé cette consigne, puisque moi, l'ordre était déjà donné à moi par le chef de l'État. Où est la preuve de l'ordre? Où est la preuve? Où est la preuve? Vous voulez dire que le président Dadis vous a donné l'ordre de violer une consigne générale donnée à tous les militaires? C'est ce que vous voulez vous insinuer? C'est ce que vous voulez dire? Allez-y. Quelle est la question? Je veux savoir, monsieur le président, puisqu'une consigne générale avait été donnée la veille à l'occasion d'une réunion de tous les chefs d'état-major. Et c'était la consignation au quartier de tous les militaires. Alors, il dit que lui, il était sorti sur ordre du président. Je veux savoir, en sortant sur ordre du président, est-ce qu'il est en train de nous dire que le président de la République s'est associé à lui pour violer une consigne générale? Vous avez compris la question, répondez-la. Oui, mais j'ai bien dit depuis la fois passée ici que moi, j'ai eu les instructions à la veille du départ pour l'abbé. Donc quand je suis revenu, je n'ai pas tenu compte
d'une décision ou parce que... Est-ce que le président s'est associé à vous pour violer une consigne donnée? Non. Savez-vous que si il vous donne l'ordre, il vous donne des instructions allant dans le sens d'aller traquer des bandits, alors qu'il y a une consigne donnée, savez-vous que le président se rend complice de la violation d'une consigne générale? Vous le savez? Mais c'est le président qui commande. S'il me donne l'ordre, je ne peux pas rester assis. Je dois accomplir ma mission. Voilà. Et je vous apprends que dans ces conditions, le président s'est rendu coupable de la complicité de violation d'une consigne générale. Et je vous dis que c'est une infraction qui était prévue à l'article 101 du Code pénal du 31 et décembre 1998. Et je vous donne lecture des dispositions de l'article 101 du Code pénal. Et en tant que militaire, je crois que vous devez savoir que la violation d'une consigne est une infraction. Est puni de 2 à 6 mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale. Vous voyez ça? Donc, un président de la République peut s'associer à vous pour violer les lois de la République pour lesquelles il prête serment avant d'entrer en fonction, pour le respect desquelles il prête serment avant d'entrer en fonction. Des questions? Oui. C'est, je veux savoir. Oui? Non. Alors, est-ce que dans ces conditions, ce que vous dites, vos déclarations selon lesquelles le président vous aurait donné l'ordre d'aller exécuter une telle mission, est-ce que ces déclarations tiennent la route parce que vous êtes en train de prendre le président pour complice de vos agissements? Oui? Oui, mais s'il ne m'avait pas donné les ordres, je ne peux pas aller comme ça sur ma tête. Je continue, puisque vous ne voulez pas répondre. Mais dites-moi, pourquoi vous contredisez dans vos deux procès-verbaux? Tantôt, vous déclarez, d'ailleurs dans le premier procès-verbal, que vous avez été interpellé par un citoyen qui vous aurait informé que des militaires sont en train de tirer sur les paisibles populations au stade du 28 septembre. Et qu'immédiatement, vous êtes rendu au camp pour en informer le président. Ça, c'est votre première déclaration qui est consignée dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie. Mais c'est encore vous qui déclarez, dans le procès verbal dressé devant les magistrats instructeurs, et que cette sortie de votre compte rendu fait au président Dadis que vous auriez été informé par certains militaires, cette fois-ci vous ne parlez pas des citoyens, par certains militaires que d'autres sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre et que vous seriez revenu sur vos pas pour demandez au président Dadis quel était le groupe qui a eu à opérer ainsi. Pourquoi cette différence, cette variation dans vos déclarations faites devant les autorités judiciaires, mon colonel? Pourquoi? Question? Oui, mais je demande pourquoi vos variations-là. Tantôt, c'est un citoyen qui vous aurait informé et pendant que vous reveniez, voilà, après tantôt ce sont des militaires qui vous auraient. Pourquoi ces variations? Pourquoi? Moi j'ai bien dit, j'ai dit la première information c'est au niveau de quand je suis venu à Bambito que les citoyens de là-bas. Quelques minutes après, ils m'ont appelé ils m'ont dit que voilà, il y a des militaires qui tirent au stade du 28 septembre. Et que moi, je les ai dit, bon, d'accord, moi je vais rentrer au camp. Pourquoi je ne demande pas de nouvelles explications. Oh. Si vous ne pouvez pas expliquer, alors je continue. Voilà.
Et vous avez eu à déclarer, et vous l'avez réitéré ici, comme quoi, lorsque vous avez eu à annoncer au commandant Toumba votre décision de l'arrêter, qu'il aurait plaidé et pleuré, disons, à chaudes larmes. Vous l'avez dit ici, vous confirmez? Je confirme, il est là, et le président est là. Mais est-ce que vous savez que dans vos mêmes déclarations, contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie, vous avez encore et affirmé que lorsque vous avez pris cette décision, que M. Aboubakar Diakité Ditoumba a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous reconnaissez cela également? Qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous reconnaissez cela ou bien je vais vous donner lecture? Je répète bien que quand je l'ai dit que je dois l'arrêter, il était arrêté à la porte du président. Il a parlé beaucoup de mots là-bas. Après, finalement, il a commencé à pleurer. Donc, voilà. Vous dites dans vos déclarations qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Non. Vous ne l'avez pas dit? Il n'a pas répliqué. Mais mon cher, je vous donne lecture puisque vous ne faites que vous contredire. Je vous donne lecture de vos déclarations avec la permission, bien entendu, de Monsieur le Président. À la page 2, paragraphe 2, vous avez dit ceci. Parce qu'il était allé gâter le travail de Thiébro et ses hommes qui étaient désignés pour le maintien d'ordre au stade, sur le coup, Toumba a répliqué en disant que je ne peux pas l'arrêter. C'est vous qui le dites. C'est écrit noir sur blanc dans vos déclarations faites devant la gendarmerie. Alors, je veux savoir, est-ce il est possible que celui que l'on veut arrêter et qui se met à pleurer, que la même personne dise « Non, vous ne pouvez pas m'arrêter. » Est-ce que cela est possible, logiquement parlant? Si les témoins sont là, ils vont mieux m'expliquer par rapport à moi. Je vous ai bien dit qu'il a parlé beaucoup de mots avant de pleurer. Mon cher, n'est-ce pas, vous êtes en train de vous contredire. Vous faites de la contradiction votre moyen de défense, n'est-ce pas? Non. C'est ce que vous êtes en train de faire, mon cher. Alors, reconnaissez-vous que dans vos déclarations faites devant la gendarmerie, par deux fois au moins, lorsque vous avez annoncé votre décision d'arrêter M. Aboubakar Diakité Ditoumba, deux fois au moins, le président s'y est opposé en vous disant que c'est lui qui a sauvé les leaders. Vous le reconnaissez? Je ne reconnais pas ça. Mon cher, ça ressort également de vos déclarations. De vos déclarations que vous ne voulez plus reconnaître. Et je vais vous aider en lisant vos propres déclarations. Alors, le paragraphe 2 de la page 4. Et vous avez dit ceci. Deux jours plus tard, vu la pertinence et l'insistance de ma question, il m'a répondu, le président, que contrairement à ce qui s'est dit, que son aide de camp, Aboubakar Diakité, alias Toumba, était parti en ces lieux pour sauver les leaders présents à cet endroit. C'est vous qui le dites. Ensuite, à la page 5, vous avez déclaré
également que le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Bien au contraire, il persistait à dire que Toumba était parti au stade pour protéger les leaders. Deux fois, vous avez eu à dire librement vous-même que le président s'était opposé à l'arrestation de Toumba parce qu'il s'était tout simplement rendu au stade pour sauver les leaders. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça aujourd'hui? Pourquoi? Quelle est la haine viscérale qui vous anime à cet instant précis pour ne pas reconnaître vos déclarations? Pourquoi? Oui? Quelle est la haine qui vous habite et qui fait que vous ne pouvez pas reconnaître vos propres déclarations? Je ne reconnais pas ça. La part de... Très bien. Vos déclarations sont déjà consignées. Ça vient à la décharge du commandant. Voilà. Et saviez-vous, mon colonel, que le président Dadis a eu à dire dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il avait peur d'arrêter Toumba à cause de ce qu'il appelle éventuelle victime collatérale. Vous le savez? Vous le savez? Non. Bon, je vous l'apprends, hein. Il a dit, il a déclaré ça dans son procès verbal. Et vous-même, à la page 7 de votre procès verbal d'interrogatoire, procès verbal dressé devant les magistrats instructeurs, vous avez dit également que vous n'avez pas pu l'arrêter parce qu'il fallait éviter un autre bain de sang. Vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez? Non. Vous ne confirmez pas. Ok, je vous donne lecture, hein, parce que vous avez tendance à tout nier. Hein, à tout nier. Avec la permission de Monsieur le Président. Voilà. La page 7, pour vos avocats, la page 7 de votre interrogatoire au fond devant les magistrats instructeurs. Et c'était la dernière question à la page 7. Question, selon vous, qui vous a empêché de mettre aux arrêts Toumba Diakité? Réponse, j'avais bien... sur décider de le mettre aux arrêts, mais il traîne une troupe bien armée derrière lui. Il fallait être prudent et éviter un autre bain de sang. Vous reconnaissez avoir dit ça, oui ou non, mon colonel? Oui ou non? Oui ou non? Non. Monsieur le Président, voilà, il devient champion en négation. Je continue. Mais dites-nous, dès lors que vous et le président Dadis, vous reconnaissez que le commandant Toumba ne pouvait pas être arrêté par vous, alors, n'est-ce pas, c'est la reconnaissance qu'il était l'incarnation d'une force redoutable au sein des forces armées en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par Monsieur le Président. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon colonel? Reprenez votre question. Je dis bien, en vous et le Président, le fait d'avoir eu peur d'arrêter commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. N'est-ce pas la preuve qu'il incarnait une force redoutable en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par le président Dadis?
Oui ou non? Moi, je ne peux pas être craindre rien. Mais les preuves sont là. Voilà. Vous pouvez nier tout ce que M. Diakité représentait. Alors, saviez-vous que M. Aboubakar Toumba est capable de mettre en déroute tout un camp? Vous le savez? Moi, je ne sais pas. Alors, comment vous expliquer qu'il soit parvenu à mettre en déroute et à obliger certains militaires à nager même au large de la mer? Et ces forces étaient composées d'une cinquantaine de militaires et qui étaient armés jusqu'aux dents et qui avaient pour mission de l'assassiner pour lui faire porter toute la responsabilité de cette affaire. Comment vous pouvez expliquer ça? Il était braqué par des armes de toutes parts. Oui? Comment vous pouvez expliquer ça s'il n'est pas une force redoutable? Comment vous pouvez expliquer cela? Allez-y. Moi, ce que je sais, si moi j'étais présent sur le terrain, personne d'entre eux n'osait braquer l'arme sur le président. Il ne peut pas. Mais, il n'a aucune force. Parce que d'abord, le camp Makambo, ça c'était leur zone. Où vous étiez, quand le président partait, si vous étiez capable de quelque chose, est-ce que le président se serait passé de vos services? Si vous étiez capable de quelque chose. Vous-même, vous n'avez pas pu l'arrêter, vous l'avez dit. Donc, ne nous dites pas des choses comme ça. Si je n'ai pas pu l'arrêter, pourquoi c'est pas arrêté? Vous l'avez dit, on continue. Il devait attendre en Guinée ici. Quand moi j'étais déjà informé, il devait attendre. Attendez, je vous pose une question par rapport à ça. Voilà. Mon colonel, et reconnaissez-vous que si M. Diakité ne s'était pas mis à l'abri en fuyant la vengeance féroce, aveugle, que vous avez engagée ici, alors il ne serait pas là aujourd'hui pour faire entendre la vérité au peuple de Guinée. Est-ce que vous le reconnaissez? Je ne peux pas reconnaître un mensongère ici devant les gens. Ça, c'est ça la vérité. Alors, pourquoi vous et vos hommes, vous avez engagé une chasse à l'homme qui consistait à arrêter ça et là des personnes supposées être proches du commandant? Pourquoi vous avez engagé une chasse à l'homme? Est-ce que vous consultiez la police judiciaire? Est-ce que c'est votre rôle d'arrêter des personnes supposées s'être rendues coupables des infractions à la loi pénale? C'est votre mission? Il y avait un chef de bataillon. Moi, ce n'est pas moi. Ma mission était de chercher Toumba, qui était l'acteur principal. Mais est-ce que c'est votre mission, ça? Quel est le texte de loi qui vous confère une telle mission? Ça, c'est ma mission personnelle, même, c'est ma mission. À quiconque qui tire sur le président, ça, c'est ma mission de faire sa recherche. Donc, ça veut dire que, dans une république, ministre de votre État, vous étiez à même de vous arroger des pouvoirs qu'aucun texte ne vous reconnaît. C'est ça? C'est ça, un ministre? C'est ça, on sert sa nation, mon colonel? C'est cela? Je continue. Quelle est votre réponse? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Il n'aura jamais de réponse. C'est ça. Les faits lui collent à la peau. Et par deux fois également, dans vos déclarations faites devant la gendarmerie, vous avez eu à déclarer que Monsieur Moussa Tchegoro Camara a été désigné par le président de la République pour assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Et vous-même, oui, d'abord, oui, allons-y. Est-ce que vous confirmez cela?
vos déclarations faites devant la gendarmerie. Par deux fois au moins, vous reconnaissez que c'est le président qui a désigné M. Moussa Kéboro à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre. Vous confirmez cela? J'ai bien dit que le colonel Kéboro, y compris ses éléments et la police, ça, c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre. Vous avez dit qu'il a été désigné par le président. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous le confirmez ou vous niez ça aussi? Je ne confirme pas ce paragraphe-là. Vous niez? Je ne confirme pas. Très bien. La négation est devenue la règle pour vous. On continue. Est-ce que vous étiez présent lorsque le président lui donnait l'ordre d'aller assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Étiez-vous présent? Non. Et pourquoi vous le dites? Pourquoi vous l'avez déclaré? Vous n'étiez pas présent et vous l'avez déclaré. Pourquoi? Bien sûr, mais parce que depuis avant, même notre prise de pouvoir, c'est eux qui sont chargés de maintien d'ordre avec la police. Mais vous avez appris, on a parlé tout à l'heure de la consigne générale qui avait été donnée et qui consistait à, pour tout militaire, à rester consigné dans les quartiers. Alors, et lorsque vous dites cela, est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même? Oui? Quelles que soient les consignes données, mais si c'est des manifestations, quel que soit le niveau de manifestation, c'est la gendarmerie et la police qui est habilitée à mettre de l'ordre. Et donc, vous voulez me dire que, au niveau de nos forces armées, il n'y avait pas, ou au niveau même de la gendarmerie, qu'il n'y avait pas d'ordre, qu'il n'y avait pas de cohésion et que chacun pouvait faire ce que bon lui semblait. C'est ce que vous voulez me dire? Mais devant ici, là, il y a eu des gens qui ont dit que la gendarmerie avait dépêché certaines unités de la gendarmerie qui étaient venues au bord du stade. Est-ce que les services de Kéboro en faisaient partie? Mais ils font tous faire partie parce qu'ils relèvent de la gendarmerie en général. Attendez. Je vais vous donner lecture du procès verbal des dépositions du général Ibrahima Badé. Il est clair, hein, il a donné la situation de toutes les forces de sécurité qui avaient été planifiées ces jours-là. Je vous en donne lecture. Page 2. Il dit ceci. Et d'abord, je vais commencer par lire ce qu'il a eu d'abord par rapport à la consignation. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être consignés. Pour l'exécution de notre mission, nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les trois escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Voilà, c'est lui qui a assisté à la réunion. Est-ce qu'il a parlé ici des services spéciaux, mon colonel, que vous considérez être ces jours un service de maintien d'ordre? Est-ce que ce service a été planifié au cours de cette réunion de nos forces armées? Ça veut dire que vous-même, vous n'étiez pas en phase avec les autres forces armées? C'est ce que ça veut dire? Ou bien vous n'étiez pas informé? Moi, je n'étais pas informé de la réunion même. Voilà. Donc, quand on s'est dit ministre chargé de la sécurité présidentielle, et puis on n'est pas informé de la moindre situation, et vous êtes en train de me discuter. Là, moi, je vous informe, je vous donne la bonne information, parce que je maîtrise mon dossier. Voilà.
Pourquoi vous êtes en train de revenir sur toutes vos déclarations, de remettre en cause toutes vos déclarations? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Dans quel intérêt? Pourquoi vous le faites? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Voulez-vous couvrir qui au mépris de la vérité? Voulez-vous couvrir qui? Vous n'avez pas de réponse non plus? Non. Très bien. Parlons à présent du régiment commando. Le régiment commando. Alors, et qui était le commandant du régiment commando? Qui était le commandant du régiment commando? Depuis le début de mouvement ou quoi? Non. Qui était le commandant? Moi, on ne me pose pas de questions, on répond. Le commandant du régiment, au départ, comme j'avais toujours dit, c'était le commandant Aïdor, paix à son âme. Et le commandant Sahar Alphonse Touré. Mais après avoir pris ces éléments-là par le commandant Toumba, les mettre en prison à Kassa, arbitrairement. Donc celui maintenant qui a pris le mouvement du régiment en main. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous affirmez, que c'est mon commandant Aboubakar Diakité Ditoumba qui était le commandant de ce régiment? Vous maintenez cette déclaration? Je maintiens cette déclaration. Et une question vous a été posée tout à l'heure. Je reviens sur cette question. Et pour occuper ce poste, quel est le grade qu'il fallait avoir? Bien sûr, comme j'ai toujours dit. Non, quel est le grade? Répondez à la question qu'on vous pose. Quel est le grade requis pour occuper les fonctions de commandant du régiment? Quel est le grade requis? Dans le vrai règle, le grade de commandant du régiment, tu peux être au moins lieutenant-colonel. Alors, est-ce que M. Toumba, en ce moment, était lieutenant-colonel? Mais celui qui s'est donné ce titre-là... Est-ce qu'il était lieutenant-colonel? Répondez aux questions, après on passe. Il n'était pas lieutenant-colonel. On passe. Alors, en dehors de cela, quel est l'axe de nomination? Qui nomme à ce poste? Au poste de commandant du régiment, qui nomme à ce poste? C'est vous? C'est pas moi qui nomme les gens. Qui nomme à ce poste? Qui nomme à ce poste? Ce poste, soit le ministre de la Défense ou le président. Très bien. Avez-vous un acte de nomination du président en faveur de M. Toumba par rapport à ce poste? Avez-vous un acte de nomination? Ah, moi, je n'en sais rien, mais celui qui s'est déclaré et celui qui jugeait nécessaire. Ah non? Oui? Où est l'acte de nomination? Celui qui s'est déclaré commandant du régiment. Vous n'avez aucun acte de nomination pour appuyer vos déclarations? Vous n'avez aucun acte? Si vous n'en avez pas, dites que je vous ai bien dit que d'abord, il ne relevait même pas de moi. Donc moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un acte de nomination? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Je n'ai pas un acte de ça. Alors, saviez-vous que si vous n'êtes pas même d'administrer la preuve de cette nomination par la production d'un tel acte, que ce tribunal ne vous prendra pas au sérieux? Est-ce que vous le savez? Parce que M. Toumba ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de lui attribuer. Vous le savez? Puisque cette juridiction fonctionne sur la base des preuves produites ici et discutées ici. Vous le savez? Peut-être d'ici la fin de ce procès-là, il y aura un acte qui va démontrer qu'il a signé des dossiers
auquel c'est écrit là-bas commandant du régiment. Oh, mais s'il vous plaît, on a vu ces faux documents qui ont été produits ici, mm-hmm. qui n'est ni daté, ni référencé. Là, ça, c'est un acte fabriqué pour les besoins de la cause. Ça, ça ne marchera pas ici. Et je passe. Vous affirmez ici également, alors que M. Marcel l'avait vigoureusement contesté, que ce dernier était l'adjoint de M. Aboubakar Diakité Ditumba. En avez-vous la preuve? Ce que je sais, c'était son adjoint. En avez-vous la preuve? La question est claire. C'est la preuve qui fait que j'ai dit que j'étais adjoint. Est-ce que vous avez la preuve? Voilà. Où est l'acte de nomination de celui-ci aussi? Où est son acte de nomination en tant qu'adjoint? L'acte de nomination, ça c'est entre eux, mais moi, parce qu'il ne relevait pas de moi. Mais arrêtez alors de faire des affirmations, hein, si vous ne pouvez pas. Voilà. Dites aux gens de se décoiffer. Et vous connaissez ou vous avez connu le général Ousmane Kaba? Général Ousmane Kaba. Bon, je l'ai connu. Ouais, qui était-il? Général Ousmane Kaba. Je crois que c'est un militaire fantastique. Oui, quel militaire? Quelle fonction a-t-il occupé sous le CNDD, votre pouvoir, qui vous était tant cher? Ça, je ne retiens pas ses fonctions, mais je sais que c'était un général de corps d'armée. C'est un militaire. Mon colonel. Il dit qu'il ne se souvient pas de son poste, mais... Un militaire, un grand colonel de votre rang, vous ignorez, vous oubliez déjà celui qui fut le chef d'état-major général des forces armées. Vous vous rappelez maintenant? Quel nom que vous avez dit? Chef d'état-major général des forces armées. Il a une déposition versée au dossier. Je le connais, je le connais. Eh bien, alors, monsieur Ousmane ou général Ousmane Kaba a eu à déposer devant les magistrats instructeurs ce qui suit. Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devrait s'y mêler. Et ça, c'est le chef d'état-major général qui le dit. Et dans ces conditions, entre vous, votre déclaration et celle du chef d'état-major général des forces armées, en cas de contradiction, laquelle doit l'emporter? Lorsque vous soutenez une chose, le chef d'état-major général soutient le contraire. Laquelle des déclarations doit-elle être prise en compte, mon colonel? J'ai bien dit ce que je connais. Lorsqu'il a arrêté le commandant. Ce n'est pas ça la question. Entre vos déclarations, voilà, et celles du chef d'état-major général à l'époque des faits, quelle est la déclaration qu'on doit prendre? C'est ça, hein? Oui, c'est ça, monsieur le président. Quelle est la déclaration qu'on doit considérer comme étant vraie? Voilà. Entre mon déclaration et celle du général Ousmane Kaba. Moi, je prends ma déclaration. Donc, vous. Vous êtes prêt à fouler aux pieds la déclaration de vos supérieurs hiérarchiques. Merci. Merci, merci. Vous êtes un bon soldat. Connaissez-vous M. Bienvenu Lama? Je le connais, c'est un gendarme de profession. Très bien. Connaissez-vous adjudant Kobeko Biavogi?
Je le connais, c'est un fantassin. Très bien. Je le connaissais. Oui, et Bamba. Bamba, vous le connaissez? Ah, je connais, comme j'avais toujours dit, je connais un ami qui s'appelle Bamba aussi. Oui, il était au camp là-bas. Vous le connaissez? Du Batin Char. Voilà. Et saviez-vous que ce sont eux qui s'occupaient de la gestion des recrues de Kalia? Vous le savez? Je ne sais pas. Celui que je parle n'a jamais même été à Kalia. Écoutez, je vais vous donner lecture. Vous connaissez quand même Alpha Amadou Baldé? Ou bien vous ne le connaissez pas? Alpha Amadou Baldé. Quelle était son fonction? Secrétaire de M. Toumba. Bon, si je le vois, je peux le connaître. Donc, vous ne le connaissez pas, parce qu'en parlant comme ça, voilà. Voilà, je vais vous donner lecture. Hein. Vous allez vous rappeler des fonctions exactes de ces personnes. Il a dit cela. Et question, à part ce que vous avez appris à la radio, quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité? Réponse. Quand j'ai pris service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalia, Furekaria. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, sergent-chef à l'époque. S'il n'est pas à l'artillerie, il doit être du bataillon char. Question. Qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalia? Réponse, c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Question, qui avait établi cette liste? Réponse, c'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devrait avoir établi cette liste. C'était lui le directeur du centre de formation de Kalia. Question. Page 5. Où sont ces jeunes recrues actuellement? Réponse. Leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question. Question. Combien de temps ont-ils fait à la présidence? Réponse, je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'était les élèves de Kalia et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalia à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant-chef Kobeko Biavogi. Vous comprenez maintenant qui sont-ils et quelles étaient leurs implications dans la gestion des recrues de Kalia. Vous comprenez maintenant, mon colonel? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien, qu'ils m'en soient donnés là-bas. Alors, on vous dit que parmi ces recrues, et il y a certains qui sont revenus au camp blessés. Et c'est lui qui parle. Lui, il n'était pas à Conakry. C'est ce qui ressort de son procès verbal d'interrogatoire. Il n'était pas à Conakry au moment des faits. Il était à Cancan. Il est rentré le 30 et il trouve des recrues blessées après les événements du 28 septembre. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonnablement en déduire que c'était pendant leur expédition
au stade du 28 septembre que cela est arrivé. Oui? Oui? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Commandant Nat, il ne peut plus parler. Connaissez-vous Verny Pivi, sergent de son état à l'époque? Mon colonel. Reprenez la question. Connaissez-vous Verny Pivi, sergent de son état à l'époque? Revenons au 28 septembre. Monsieur le Président. Est-ce que vous connaissez sergent Verny? C'est Verny, hein? Oui. Verny Pivi. Non, je Pivi. n'ai pas un nom Pivi. Dans ma famille qui du nom de Verny. Vous ne le connaissez pas? Non. Voilà. Monsieur le Président, je rappelle que M. Verny Pivi et M. Kobeko Beavogi sont avec d'autres des coupeurs de route qui ont été condamnés par la cour d'assises pour des faits d'association de malfaiteurs, d'assassinat et de vol en main armée. Et ils ont tous été radiés par un arrêté pris par Maître Kabelé, ministre de la Défense d'alors, et Verny Pivi est bien le fils de mon colonel. Je poursuis. Que savez-vous personnellement des recrues de Kalia? Allons-y. Je n'en sais rien de situation de recrues de Kalia, puisque j'attendais qu'il y ait des recrues au Kalia, mais je n'ai jamais été là-bas. Mais est-ce que mon colonel, avec toute votre influence que vous vous attribuez, que d'autres vous attribuent, à tort ou à raison, pouvez-vous rester sans savoir ce qui s'est passé réellement au camp? C'était possible ça? Ne nous étonnez pas, hein? Dites-nous la vérité. Oui? Vous avez dit ici que les autres ont menti. Donc, c'est votre tour de dire la vérité. Oui? C'est la question? Oui? Moi, je n'ai pas raison de mentir ici. J'ai dit bien, j'ai appris le mouvement de Kalia, mais je n'ai jamais été à Kalia, de près et de loin. Alors, vous pouvez me dire la position de votre bâtiment par rapport à celui qu'occupait mon commandant Aboubakar Diakité d'Itumba. Vous pouvez me donner la position des deux bâtiments? Nos bâtiments sont liés, nos bâtiments sont côte à côte. Comment se fait-il que mon commandant Toumba Diakité, lui, il soit informé, parce que les rassemblements se tenaient entre vos deux bâtiments, que lui il en soit informé, que C.C. Raphaël en soit informé, et que vous, vous n'en soyez pas informé? Comment cela peut-il être possible? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Est-ce que cela est possible? Voilà. Non. Mais alors, pourquoi vous dites le contraire? Pourquoi vous soutenez le contraire? Pourquoi vous dites que vous n'étiez pas informé de leur mouvement au camp Alfaya Diallo? Ce qui était sûr de tous. Qu'est-ce que vous cachez? Je n'ai pas vu un recrue au camp Alfaya. Ok. Le tribunal appréciera. Et vous saviez que même le chef d'état-major général, qui n'habitait pas avec vous au camp, il savait au moins que ces recrues-là existaient et qu'ils étaient gérés par le président Dadis et son ministre de la Défense. Vous le savez? Non. Mais il l'a dit. Page 2 de sa déposition.
Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. C'est vous qui faites semblant de ne rien savoir, hein, de ces recrues. Alors, vous avez déclaré à la dernière audience, et ce matin, vous venez de réitérer que vous vous êtes personnellement donné la mission de rechercher M. Aboubacar Diakité Ditoumba. Alors, si vous étiez parvenu à l'arrêter, qu'aurez-vous fait de lui? Qu'aurez-vous fait de lui? C'est la question? Oui. Si moi j'avais arrêté le commandant Toumba, comme le président m'avait déjà instruit, c'était pour le faire présenter devant une poste de justice? Bon. Est-ce que vous croyez en cette réponse? Hein? Est-ce que vous croyez en cette réponse? Je crois à cette réponse. Alors, pourquoi des militaires qui ont été arrêtés pendant cette chasse à l'homme, des proches ont fait l'objet d'exécutions sommaires? Je vais parler de Bégré. Je vais parler de Destin. Je vais parler de Sankara qui a été découpé. Est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous faites de telles déclarations? Oui? Parce que ces mouvements ne sont pas passés devant moi. Si ça passait devant moi, c'était pour les arrêter et les présenter à un poste de la justice ou à un poste de gendarmerie. Écoutez, est-ce que quand Bégré a été arrêté, vous l'avez présenté devant un poste de gendarmerie? Vous l'avez fait? Quand Bégré a été arrêté, il est envoyé à notre niveau. Il y avait un chef de bataillon, paix à son âme, qui est Diamankan. On l'a envoyé, c'est le chef de bataillon. Le chef de bataillon est-il habilité à s'occuper des questions de ces gens? Il constitue en soi une gendarmerie? Ah, moi, je ne sais c'est pas. C'est à ce niveau que vous devez l'envoyer? C'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. Oh, c'est ceux qui l'ont envoyé, les douaniers qui l'ont envoyé escorter de Pamelap jusqu'à son niveau. C'est à son niveau qu'ils ont déposé et lui, à son tour, il a déposé au 32 escalier, le chef de bataillon. Est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo qui passe, dont les images sont très atroces, où on voit M. Bégré attaché, ligoté, les deux bras liés au dos. Et sur ces images, vous êtes là avec M. Moussa Tchibro. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Vous savez que les tortures constituent une infraction à la loi pénale. Vous le savez, non? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Les gens qui font des coups d'État contre un chef de l'État, qu'est-ce qu'on fait avec ceci? Vous ne posez pas de questions. Vous répondez à cette question. Oui, répondez à la question, monsieur. La question? Oui, vous répondez à sa question. Vous ne posez pas de questions à cette phase-là. Je n'en sais rien. Alors, mon colonel, vous êtes resté indifférent face aux crimes de torture, face au traitement dégradant, inhumain, qui était en ce moment infligé à M. Bégré. Est-ce que, en le faisant, en ne prenant pas vos dispositions, comme vous l'avez fait à l'égard de M. Cécé Raphaël, il a dit ici que vous lui avez sauvé la vie. Vous avez demandé, parce que c'était vous, l'homme fort en ce moment, vous avez demandé de préserver sa vie. Il a eu la vie sauve. Il a reconnu ça ici. Pourquoi n'avez-vous pas fait autant pour M. Bégré? Pourquoi? Pourquoi? Pour M. Bégré, quand ils étaient, ça c'était maintenant à la disposition du chef de bataillon. Et le chef de bataillon, qui est paix à son âme, qui a manqué, il a dit de le déposer au niveau du 32 escalier. C'est là-bas sa fille fait.
Mais vous avez dit ici, il n'y a pas encore deux à trois minutes, que vous avez ordonné de l'envoyer au niveau des 33 escaliers. C'est vous qui avez donné ces instructions. Donc, ne mêlez pas. C'est pas moi qui ai donné les instructions. Quelqu'un qui est décédé. Vous l'avez dit ici, hein? J'ai donc, bien dit qu'il y avait un chef de bataillon. Donc, le chef de bataillon, quand on envoie, la douane a envoyé au niveau du chef de bataillon qui était le colonel Diamankan. Qu'est-ce que M. Begré est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais c'est le chef de bataillon qui avait la charge de tous ces choses-là, parce que c'est lui qui. C'est le chef de bataillon qui nous a été informé que Degré a trouvé que Degré est mort en prison. Il est mort en état de séquestration. Et sur vos instructions, vous avez ordonné qu'il soit mis à la disposition de ceux qui géraient les 33 escaliers. Et il a trouvé la mort en ces lieux. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Vous savez que M. Sankara Kaba a été lui aussi découpé au camp là-bas. Vous le savez? J'ai appris. Pendant que vous étiez le meneur des opérations. À votre avis, les militaires impliqués dans ces exécutions sommaires doivent-ils, oui ou non, répondre de leur responsabilité pénale devant la justice de notre pays? Oui ou non, doivent-ils répondre de leur responsabilité pour avoir tué sauvagement leurs compatriotes de cette façon? La question. Doivent-ils répondre oui ou non de leur responsabilité devant la justice? Oui, ils doivent répondre à leur responsabilité, ceux qui ont fait ça. Très bien. Venons à présent au cas des morts et des blessés des événements du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en savez en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien de ça. Rien? Rien. Et le gouvernement de M. Kabinet Coumara, alors, sous la présidence de M. Moussa Dadis Camara, ne s'était-il pas réuni en conseil des ministres autour de cette affaire? Il y a eu un ou des conseils des ministres autour de cette affaire. Il y en a eu? S'il y en a eu, moi je n'ai pas assisté à ce conseil. Ah. Donc, ça veut dire que cette question qui constitue une préoccupation d'envergure nationale et internationale, alors, ne disait absolument rien à vous, à votre gouvernement et à votre président. C'est ce que vous voulez nous dire? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Je continue. Vous avez dit ici, dans un camp, lorsqu'il est question de provoquer un rassemblement général, quelle est l'autorité compétente pour convoquer le dit rassemblement? Oui? Reprenez votre question. Je dis bien, lorsqu'il est question de convoquer un rassemblement général, quelle est l'autorité compétente dans un camp, bien entendu, pour convoquer ce rassemblement? Je crois que la question est claire.
C'est le chef de bataillon. Le chef de bataillon. C'est le commandant du camp ou le chef de bataillon? C'est ce qu'on appelle commandant du camp. Ok. Donc, c'est le commandant du camp. Mais pourquoi, en lieu et place du commandant du camp, c'est vous, et vous l'avez affirmé ici, vous l'avez avoué ici, c'est vous qui avez convoqué un rassemblement général au cours duquel vous vous êtes attribué le pouvoir de désigner un commandant du régiment. Pourquoi? C'est vous qui l'avez fait, alors que vous n'en aviez pas la qualité. La question? Bien sûr. J'ai bien dit ici que ce n'est pas moi qui désigne le commandant du régiment. J'ai été mandaté par le ministre de la Défense. C'est pas ça la question. Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider. Pourquoi c'est vous qui avez appelé le rassemblement? Voilà. J'ai été mandaté par le ministre de la Défense. C'est le ministre de la Défense qui provoque l'assemblement, le rassemblement, ou bien c'est le commandant du camp? À l'époque des faits, parce que d'avoir tiré sur le président, c'est dans ça que le ministre de la Défense, étant qui n'était pas là, qui m'a mandaté de faire ce rassemblement et donner, celui qui a nommé le nouveau commandant du régiment, de le présenter à la troupe. Il vous mandate, il laisse le commandant du camp. Donc, vous surplombez le commandant du camp, c'est ce que vous voulez nous dire? Hein? Mais il n'y avait plus un commandant du régiment, le commandant du régiment a pris la fuite. Personne n'était. Est-ce que vous avez un acte de vos affirmations? Parce que vous ne faites qu'affirmer. Où est l'acte? L'acte par lequel vous avez bénéficié de cette délégation de pouvoir. Si ça n'est un... Oui? C'est le ministre de la Défense qui m'a ordonné. Oh là là. Est-ce qu'il y a un acte? C'est ce qu'il veut savoir. Ça, c'est aussi clair que ça. Mais il n'a pas eu un acte écrit, mais il y a eu un acte verbal, téléphonique. D'autres questions? Est-ce que vous avez eu à dire ici que lorsque vous vous êtes rendu à Manéa, vous n'auriez pas trouvé les bandits lorsque vous êtes rendu à votre mission imaginaire? Vous êtes rendu à Manéa, que vous aurez laissé votre numéro de téléphone là-bas. À qui vous avez laissé le numéro de téléphone? À qui? Mais à l'époque, les éléments qui étaient, tous les gens qui étaient à côté dans le parage de Manéa, beaucoup de gens m'ont distribué des numéros de téléphone là-bas à des gens, pour qu'en cas où les bandits revenaient sur le champ de nous faire signe. C'était qui? À qui précisément? Quand vous dites j'ai laissé, vous avez laissé à qui? Et quels étaient ces numéros? Vous pouvez communiquer ces numéros? Moi, je ne retiens plus mon numéro de temps du régiment. Le temps où vous étiez au pouvoir, vous ne retenez plus ces numéros. Lorsque mon commandant passait ici, il a eu à déclarer que vous ne vous êtes pas rendu au stade du 28 septembre. Vous confirmez cela? Ou bien vous ne le confirmez pas? Je confirme de près et de loin que je ne m'ai jamais rendu au 28 septembre. Donc, vous confirmez ces déclarations de Toumba, que vous n'étiez pas allé au stade? Bien sûr. Très bien. Le même commandant Aboubakar Diakité dit Toumba affirme qu'il vous a vu à Amdalaï et que vous avez même conversé avec Marcel. Confirmez-vous cela? Non. Alors, pourquoi vous choisissez une déclaration de M. Toumba qui vous est favorable et vous rejetez celle qui ne vous est pas favorable? Pourquoi vous faites cela? Est-ce que ça, c'est cohérent de votre part? Ce qui n'a pas été fait, je ne peux pas le dire. On ne s'est pas vu le jour du 28 septembre. Voilà, vous fonctionnez comme ces avocats qui remettent en cause les déclarations de Toumba qui ne leur sont pas favorables et retiennent celles qui leur sont favorables. Merci, M. le Président. J'ai terminé, Monsieur le Président.
c'est pas la peine. Continuez, s'il vous plaît.